Salut les gameuses, c'est Shadow, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous propose un quiz sur du zombie. Donc le premier quiz que je vous ai proposé sur ma chaîne était sur Call of Duty et un abonné voilà est venu me proposer de faire un quiz sur du zombie. Alors je voudrais ne pas avoir de soucis avec cette vidéo là, c'est pourquoi j'ai précisé un truc, je pense qu'il y en a qui vont s'en battre les couilles. Mais il faut savoir qu'il y a effectivement d'autres youtubeurs qui l'ont fait avant, qui ont fait des quiz etc. Mais pas dans le même style, pas dans le même genre, c'est-à-dire que eux soit ils faisaient un quiz entre eux, entre connaisseurs, c'est-à-dire qu'ils se posaient des questions mutuellement. Et ce que je propose moi c'est de faire participer les abonnés ce qu'ils n'ont pas fait, et donc bah je trouve ça un petit peu original de repasser par là, de refaire ce qui a été peut-être déjà fait, mais que ça soit vous qui participez pour avoir votre avis, vos réponses etc. C'est pour ça que j'organise ça tout simplement, que je fais cette vidéo, et sinon bah voilà je l'aurais pas fait tout simplement, et c'est pour éviter d'avoir quelques soucis. Alors au niveau du gameplay vous aurez quand même une nucléaire au balista, alors elle n'est pas entièrement au sniper, je vous m'excuserai pour cela, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de rush, mais voilà, on était sur une map assez découverte. Pareil au niveau de la classe, vous allez dire, mais c'est quoi cette classe là que tu nous mets? Attends, tu nous mets lunettes biband, processeur balistique, etc. Faut savoir qu'en fait, je passais mes cartes d'agent. Il y a une carte d'agent avec justement le processeur balistique et une avec la lunette biband. Faut faire un certain nombre de kills. Voilà, donc moi, c'est pour essayer d'avoir 100% Black Ops 2 en multijoueur. Bon, je sais que c'est un, j'en suis très loin, mais c'est pour essayer de débloquer mes trucs. Donc voilà, merci à ceux qui ne viendront pas m'insulter dans les commentaires à cause de cette classe un petit peu fâcheuse, si on peut dire. Mais aussi pour vous préciser qu'il y a certains moments où je vais sortir quand même l'arme secondaire et le C4 pour un petit peu me sauver de situations très tendues, parfois des spawnbacks qui ne sortent mais de nulle part et des foudroiements, vous savez, ça balaye tout le spawn ennemi et tu te retrouves avec 5 ennemis dans le cul. Donc à jouer au sniper, ça va pas être super facile pour pour gérer tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout précisé et sans plus vous faire attendre, on va partir avec le quiz. Let's go! Alors pour cette première question, je vais vous demander de me citer parmi ces 4 maps, quelle est la première map dans le mode transit. Lorsque vous arrivez dans le mode, vous avez normalement, vous savez, c'est la map avec le bus où on change régulièrement de map, si vous prenez le bus, etc., qu'on se balade un peu partout. Vous spawnez, vous avez votre tac, etc., vous essayez de construire une turbine en fait pour pouvoir avancer dans votre chemin grâce à la turbine justement. Quel est le nom de la première map? Voilà, donc vous avez 4 possibilités, la map ville, la map verme, ou bien dépôt, ou bien green. Run, tout simplement à vous de faire le bon choix. Pour la deuxième question, il va s'agir d'une question générale, en tout cas du mode zombie. Vous devez sûrement connaître cette fameuse peluche, le Teddy Bears. Ah là là, qu'est-ce qu'elle nous a fait plaisir sur certaines maps avec cette petite musique. Alors la question elle est très simple, voilà, combien il faut de Teddy Bears pour activer une musique sur une map, que ce soit Nuketown, que ce soit Transit, que ce soit Green Run, etc. Combien faut-il de peluches pour activer cette fameuse musique? Alors vous avez encore une fois 4 possibilités. Réponse A, 5 peluches. Réponse B, 4. C'est 3, ou bien pour la dernière possibilité, une seule. Donc voilà, vous de me dire en commentaire encore une fois combien il faut de peluches pour activer cette fameuse musique. Bon, effectivement je vous aurais pas mis la meilleure des musiques qu'on pouvait activer sur Black Ops en mode zombie, mais voilà, c'était histoire de vous donner un petit exemple. Je pense qu'il y a bien meilleur, mais bref, voilà. Donc on est parti du coup avec la troisième question et on va parler un petit peu d'esthétique. Je vais vous demander quelle est la couleur des yeux des zombies dans le mode transit. Alors pourquoi je me concentre principalement sur le mode transit, c'est parce que voilà, c'est un mode que tout le monde peut normalement avoir gratuitement. Voilà, je vais pas partir sur des maps de DLC où peut-être des gens n'auraient pas eu accès. Voilà, c'est histoire que tout le monde puisse participer, qu'il n'y ait pas de jaloux, etc., qu'il n'y ait pas de malentente. Voilà, c'est pour ça que je me concentre principalement sur Transit, qui est normalement un mode que tout le monde a dû jouer au moins une fois. Donc voilà, je repose la question pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ou l'ont vite fait entendu à l'oreille. Quelle est la couleur des yeux des zombies tout simplement dans le mode Transit? Alors vous avez 4 possibilités, soit ils sont blancs, soit ils sont jaunes, soit ils sont bleus, ou bien ils sont violets. Je vous laisse faire le bon choix. Allez, il ne reste plus qu'une question, elle est celle-ci, elle est vraiment cadeau, franchement si vous n'y arrivez pas je comprends pas. Comment s'appelle tout simplement le point électrique? Donc réponse A, le couteau de chasse, B, le point taser, C, couteau électrique, ou D, nœud papillon. Donc vous savez, vous pouvez le débloquer je crois, si je me trompe pas, à 12 000 points sur par exemple l'une des maps qui est assez connue, Green Run. Voilà, vous avez plein aussi d'autres maps, mais voilà, c'est un exemple comme un autre. Donc à vous de me donner la bonne réponse pour essayer et tenter d'avoir un sans faute.
Voilà, ce quiz est à présent terminé en espérant que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et à participer et à mettre un pouce bleu. Tu vois, t'en profites, tu défiles la barre, etc. Tu vois, t'as les pouces, tu mets celui qui est en l'air, le pouce bleu tout simplement, et ensuite tu participes par commentaire. Et le gagnant, le premier, je précise, hein, le premier à avoir toutes les bonnes réponses, je dis bien le premier parce que tout le monde aura sûrement les bonnes réponses, enfin pas tout le monde, mais pas mal. Je dis bien le premier à avoir toutes les bonnes réponses, je citerai son blast tout simplement dans le prochain quiz sans aucun souci. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous êtes timide, à mettre un like. Sur ce, c'était Shadow, je vous dis à la prochaine. Ciao.